Je vais avoir 28 ans dans quelques mois. Et je me suis dit que ça serait cool que je vous donne mon avis sur la vie. Pour certains, on a grandi ensemble sur cette plateforme et je me suis dit qu'il était temps qu'on refasse une FAQ. Enfin, c'est vous qui m'avez dit qu'il était temps qu'on en fasse une autre. Mais je vais vous mettre vos questions là et ça serait cool que vous aussi, vous y répondiez en commentaire. Je vais mettre mes lunettes de vue. Alors, il y en a qui m'ont dit oui, tu sais, le spot, etc. Oui, mais je suis totalement myope, je n'y vois rien. Du coup, enchantée, c'est Léa. Et avant de vous donner mon avis sur la vie, j'ai une question super importante à vous poser. Il y a bientôt deux ans, du coup, j'ai tenté le challenge 1 mois zéro déchet que j'ai réussi avec brio. J'ai filmé plein de trucs, plein de tests, etc. que j'ai mis sur mon Patreon et c'est comme ça que j'ai ouvert mon Patreon. C'est pour donner accès en avant-première à des choses et à des avantages, etc. C'est toujours ouvert. Le truc, c'est que vous avez été très nombreux à me demander les recettes que j'utilisais au quotidien, que ce soit pour les cheveux, pour les dents, pour les soins, etc. etc. parce que du coup, j'avais fait mes propres toutes seules en fait, tout zéro déchet. Et donc, j'ai créé, et je vous l'annonce officiellement, mon e-book Objectif réduire nos déchets qui est en vente sur mon Etsy. Que oui, j'ai fait tout toute seule sur InDesign, etc. Et dans ce livret, en fait, on part de la base, parce que quand j'ai voulu faire ma transition zéro déchet, en fait, j'avais l'impression de paraître stupide quand je posais des questions. En fait, on est dans un moule où quand tu veux apprendre des choses, les gens sont condescendants. Et je vous ai pas demandé. Alors, j'ai fait un condensé dans ce livret. Donc, si jamais, vous pouvez le choper maintenant avec le Etsy. Mais en vrai, la question, c'est est-ce que vous voulez quand même que je vous fasse une vidéo bilan du mois zéro déchet? Je pourrais essayer de faire au mieux. Mais le truc, c'est que dans ma tête, ça date d'une autre vie. Bref. Amour, société, trahison, dans cette enquête spéciale. Voici mon avis sur la vie. J'ai aussi sorti mon podcast. On va commencer par une catégorie de questions liées à l'âge et au temps qui passe. Déjà, plus je prends de l'âge, plus j'acquiers quelque chose qui s'appelle la patience. Je suis plus du tout pressée de rien. Pour moi, 1 an, 2 ans, c'est genre une nuit dans ma tête. En fait, en gros, j'avais 22 ans, j'ai dormi, aujourd'hui j'en ai 28. Une nuit. Comment tu vis le fait que tu es peut-être... pas qui tu voulais être petite. Alors en fait, quand j'étais petite fille, je voulais une maison, un chien, un mari et des enfants vers 26-27 ans. Mais surtout, dans le fond de moi, je voulais être une pop star, chanteuse. J'étais trop en mode, je vais être chanteuse. Mes parents, ils étaient... Du coup, pour éviter que je... mes parents pendant trop longtemps, ma mère m'a dit, tu sais, si tu veux être chanteuse, il faut que tu payes 5000 euros pour enregistrer un album. Bah du coup, j'ai arrêté de vouloir être chanteuse. Puis en grandissant, bah, j'ai revu à la baisse un petit peu mes objectifs de vie. Et donc j'ai fait une to-do list des choses que je voulais réaliser, du style écrire un livre, avoir un appart, etc. etc. Et en fait, j'ai réussi à cocher tout ce que j'avais un peu prévu entre 22 et 23 ans. Ça fait que pendant cette période, quand j'ai fini de cocher mes objectifs de vie, j'ai une période très sombre, je peux mourir maintenant, pas très grave, j'ai plus d'ambition, je ne voyais plus l'utilité de ma vie sur Terre. C'est vraiment une phase pas drôle. Et finalement, j'ai décidé de reprendre mes études et d'avancer. Du coup, vraiment dans ma tête, j'ai pas vraiment la vie que je voulais quand j'étais gamine. Heureusement. En vrai, ma vie, elle est 1000 fois mieux maintenant que tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai passé mon temps dans ma vie à imaginer que j'aurais plein de trucs matériels. En mode, je voulais posséder plein de choses pour dire aux gens, regardez comme je suis heureuse. En pensant que, en fait, c'était le bonheur, que voilà, c'est ce qu'on nous explique. J'arrive petit à petit à la trentaine et je suis chill. J'ai mon chat, un toit. Je gagne ma vie sans taper un CDI avec un chef qui te donne des ordres et que j'ai pas envie d'en entendre. J'ai mon copain, j'ai mes potes, je m'embrouille avec personne. J'ai pas du tout les mêmes angoisses que j'avais au début de la vingtaine. En parallèle, on m'a aussi posé la question, comment je vis le fait d'avoir bientôt 28 ans. Et encore une fois, je sais pas. Parce que l'âge, c'est une construction sociale. Alors oui, sert à calculer comment tes organes vieillissent et fonctionnent dans ton corps. Par exemple, tu peux avoir 18 ans, être sédentaire, alcoolique et fumé. Ton corps, il aura pas du tout 17 ans, hein. Il sera beaucoup plus vieux. Et à l'inverse, tu peux avoir 35 ans, manger du quinoa, pas fumer, pas boire. Et du coup, avoir des organes beaucoup moins vieux que 35 ans. Donc en vrai, j'ai 27 ans actuellement sur le papier, mais dans mon quotidien, réellement, je le vois pas. La vingtaine, on se rend même plus compte de l'âge qu'on a. Et les autres non plus, au final, le voient pas mon âge. Déjà, j'ai une tête du secret de la jeunesse éternelle, un mode de vie de jeune, mais moi c'est un truc qui me convient parfaitement. Et un truc qui me fait super gaulerie, il y a cette pression de devenir adulte quand tu rentres dans la vie active. Et à ce qui devenir adulte, socialement, c'est du paraître. Genre ça passe par des tenues de daron, genre qui montrent que t'as réussi dans la vie, etc. Même si c'est pas vrai, on s'en fout. Tu sais, genre, t'as des petites montres, des petits trucs, des costards, des petites robes, des petits talons, des petits trinches. Tout ça là, tu mets des bottines, je pourrais vous en citer 1000, mais être adulte c'est pas un paraître, c'est pas porter des robes et des bottines à un trench, c'est dans la tête, sur le papier. Aujourd'hui en psycho, le fait d'être adulte, c'est un concept qui est de plus en plus flou. Le problème c'est qu'on nous apprend que pour être, il faut paraître. Tu sais, en mode, si tu veux être riche, il faut que tu paraisses riche. Genre c'est quoi ce conseil? Genre tu vas juste finir endetté en fait frérot. Tu peux être adulte et porter des joggings ou être habillé en X tenue. Alors oui, il y a eu un tour de magie, il y a eu un chat qui est apparu. Du coup, juste la plupart des adultes, c'est des ados ou des enfants qui font semblant de jouer le rôle de l'adulte. Et personnellement,
J'ai déjà tenté ce style vestimentaire. Je me suis même forcée en me disant que c'était ça d'être adulte. Moi j'ai juste l'impression d'être déguisée, j'ai l'impression que je vais aller jouer au théâtre. Je fais 10 ans de théâtre, quand je mets un habit d'adulte, tout pareil. Ce n'est pas moi. Après il y en a qui adorent réellement ce genre de tenue. Et ça, bah c'est tant mieux, tu vois, c'est cool. Chacun s'habille comme il veut. Faut jamais se forcer. Moi je suis une adulte et je porterai jamais de bottines. Je connais des personnes qui se mettent une pression incroyable pour paraître adulte. Je laisse ça aux autres. Du coup, je vis très bien mon âge. Les 26-27 ans, je pense qu'ils ont été les meilleures années de ma vie. Je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans ma vie. Voilà. Comment tu te vois dans 5, 10, 15 ans? Alors honnêtement, je m'en fous complètement. Évidemment, j'aimerais bien avoir une maison pour planter mes petites tomates et avoir mon petit potager. En fait, je vis aujourd'hui et je ne veux plus vivre dans le futur. J'ai passé beaucoup trop de temps de ma vie à vivre dans le futur, à imaginer la vie que j'aurai, à faire ci, à faire ça, etc. C'est un temps de vie perdu. Genre c'est pas, moi je dis pas c'est une perte de temps, je dis c'est une perte de vie. Donc en gros je profite de chaque jour, j'accepte le temps qui passe et on verra bien où j'en serai demain. Je veux dire, depuis le début j'ai fait des choix qui étaient bien, donc pourquoi m'angoisser? Je pense pas révolutionner le monde et ça me va. Très bien. As-tu pleinement confiance en toi? Comment as-tu réussi à évoluer mentalement? On se met aussi une pression de dingue autour de ce concept de confiance en soi. Genre en mode, il faut avoir confiance en toi et confiance en toi, nanani nanana. Alors, je tiens juste à signaler qu'au même titre que l'hypersensibilité, ce n'est absolument pas un trait de personnalité, ni l'un ni l'autre. Il y a des périodes dans ta vie où tu auras confiance en toi et d'autres périodes où tu n'auras pas confiance en toi, des périodes où tu seras plus hypersensible et d'autres où tu ne le sauras pas. Ça vous tente une vidéo avec une neuropsy pour parler de l'HPI, du HP, du zèbre et du test de QI, etc. Vous allez me dire oui, ça tombe bien parce que c'est prévu. Je pourrais en parler plus en détail. Pas moi, avec une neuropsychologue. Je n'ai pas eu le master. Elle a eu, tant mieux, ben on va lui demander à elle puisqu'elle travaille avec ça au quotidien. Bon bref, la confiance ça varie, mais il faut pas désespérer et se mettre la pression pour obligatoirement avoir confiance en soi. C'est pas tout le temps, tous les jours. Il y a des personnes avec qui je vais avoir confiance, d'autres avec qui je ne vais pas avoir confiance, en fonction des contextes, etc, etc. Il y a des matins où je me lève et je me dis, ah mais t'es trop moche, mais t'es horrible. Il y a des matins où je me dis, ah mais t'es trop belle et tout, t'as un avion et tout. Mais bon, après tout, est-ce que j'ai le choix de me faire confiance? Surtout que je suis la première à dire aux autres, et confiance en moi. Si moi-même j'ai pas confiance en moi, pourquoi j'irais dire aux autres d'avoir confiance en moi? Moi je suis sûre, je suis une personne de confiance, donc je me fais confiance. Si je me dis un truc, c'est que j'ai raison. Voilà. Ce qui va avec la confiance en soi, c'est aussi le concept d'échouer. J'ai totalement banni de mon langage et de ma vision de la vie. Chez moi, ça n'existe pas. Donc, comme j'ai confiance en moi, eh bien je tente. Je tente toujours les trucs qui me tentent. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant mieux aussi. Parce que le fait d'avoir tenté quelque chose, ça m'amènera obligatoirement sur un chemin. Mais encore une fois, il n'y a pas de meilleur chemin les uns que les autres. Il y a juste des fois tu arrives, des fois tu arrives pas, des fois tu prends un autre chemin, des fois ci, des fois ça, etc, etc. Et c'est tout le concept que j'ai eu avec mon master. Plot twist, je suis de nouveau étudiante, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une question sur le sujet. En gros, j'ai globalement arrêté de me prendre la tête quand j'ai arrêté de courir tout le temps après l'argent. Alors évidemment, c'est l'argent, c'est quelque chose que tu as besoin pour vivre et pour survivre, pour satisfaire tes besoins vitaux. Donc t'es obligé d'en avoir un minimum. Mais qui te dit que t'es obligé d'en avoir un maximum, en fait? Après, pour parler d'argent réellement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'accepte quasi plus de placement de produits. Parce que, en vrai, ça serait quand même assez focus de ma part de vous faire consommer, alors que je sais très bien qu'au fond, le matériel ne rend pas heureux. J'évite au maximum de vous faire dépenser votre argent, sauf pour quelques trucs ou pour quelques marques ou autres trucs cool que j'utilise réellement. Et du coup, pour éviter de vous vendre tout et n'importe quoi et pouvoir quand même vivre des réseaux sociaux, j'ai ouvert donc le Patreon, où il y a des personnes super chouettes qui soutiennent financièrement mon travail et mes projets en échange de contrepartie. Et je trouve ça plus juste en fait. Pas besoin de me forcer à vous vendre un truc que... En plus de ça, avec le Patreon, il y a tout un groupe Discord, il y a des liens qui se font, il y a des meet-ups, il y a des réunions, il y a des soirées jeux, etc. Et c'est trop trop cool, parce que c'est vraiment humain, et j'aime trop trop ça. C'est libre à vous, et si jamais, je vous mets le petit lien en description. Et n'oubliez pas qu'avec l'abonnement Diplo, bah, du coup, il y a le e-book. Le e-book aussi m'aide à me financer toute seule. En gros, je me prends pas vraiment la tête, je n'essaye plus de gagner plus que ce dont j'ai besoin. Et puis, je consomme très peu, j'achète pas de sapes, j'achète pas de maquillage. Je réfléchis au moins 6 mois avant de m'acheter un truc en me demandant « Est-ce que t'en as besoin ? Oui, non, peut-être. » Puis quand j'ai vraiment envie d'un truc et que je me dis « Ça me sera vraiment utile », ben je me l'achète. Mais globalement, j'ai appris à vivre avec ce que j'ai. Et j'ai quand même beaucoup de choses. À partir de là, je me considère très heureuse, très privilégiée. Je me sens absolument pas légitime à me plaindre, à me dire « Oh, nina. » Pour avoir taffé avec des enfants, etc., dans une ambiance hyper toxique, je me rends compte de la chance que j'ai, vraiment. Des fois, il faut s'arrêter, souffler et regarder autour de soi pour se rendre compte que dans cette course à l'argent et à la fame, on oublie le principal, c'est-à-dire de vivre. Et la plupart d'entre nous, on a déjà tout pour être heureux d'un point de vue matériel. Encore une fois, c'est là-dedans. Passons à la prochaine catégorie, vivre en société. Comment tu vois le mariage? Encore très personnel, je déteste les mariages. Vous voyez les gens qui jouent à l'adulte? Bah tout pareil. Tu sais, tu dois faire du social, il y a des gens, tu les invites par politesse, alors que jamais vous vous calas dans la vie quotidienne, mais là tu dois leur payer de la bouffe,
pardon. Vraiment, pour moi, le mariage, c'est une pièce de théâtre. Ou même les mariés, ils profitent même pas de leur propre mariage. Tellement ils sont dans le rush et angoissés. Et vous me connaissez, moi j'ai la flemme. Flemme d'inviter des gens que je ne cala pas, flemme de me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Je rêve pas du tout de mariage ou de robe blanche. En vrai, si je dois me marier ou me paxer, signer mes papiers pépouze avec mon mec en mode... Et ensuite, je fais un repas avec ma famille proche, sa famille proche, au restaurant, que des gens que j'aime. Et ensuite, plus tard, je fais une soirée avec tous mes potes. Genre deux choses différentes, pas un grand truc de ouf. Moi, je veux juste profiter des moments avec mes proches, en fait. Le reste, je m'en fous de louer une voiture, d'avoir un arc, d'avoir des fleurs, d'avoir ci, d'avoir ça. Non, moi, je veux juste profiter de l'instant présent avec les gens que j'aime. Et sans pression. Après, on verra bien. Peut-être que mon copain me fera changer d'avis. Dans les mêmes choses, je veux pas que mon mec se mette à genoux devant moi. Genre, c'est une tradition qui me met mal à l'aise de ouf. Genre, c'est des normes sociales autour d'un événement que je ne comprends pas. Et ça me fait transpirer. J'angoisse. J'ai dit à mon copain, mais fais jamais ça, je serais si mal à l'aise. Il y a plus de chances qu'il me demande en mariage à 3000 mètres en haut d'une montagne, plus qu'entouré de voitures et de ballons. Sens-tu la pression sociale pour avoir des enfants à bientôt 30 ans? Vous savez déjà la réponse parce que tout concorde avec mon style de vie. Donc évidemment non, je n'ai absolument pas de pression pour avoir des enfants. Personne me demande, jamais. Et puis en vrai, tout mon entourage proche de potes ne sont ni mariage ni enfants, etc. On est tous en mode... Et blague à part, il y a Enjoy Phoenix qui a fait une vidéo sur le fait que la pression sociale pour être maman, etc. Et elle a dit qu'elle était marginale parce qu'elle n'avait pas d'enfants, je sais pas, à 25 ou 26 ans. Juste... On remet tout à plat, la moyenne d'âge du premier enfant en France est 28-29 ans. Je veux dire, c'est limite être marginal d'avoir un enfant à 25 ans qu'en avoir un à 30 ans. Soit on est entouré de gens qui ne nous correspondent pas, soit la pression, on se la met solo. Et même les gens que je connais qui s'habillent donc en daron et qui mettent des bottines, ils veulent pas d'enfants avant 30 ans. Du coup, je me dis, ça va, tranquille. Mais vraiment, j'ai aucune pression. Un jour, si je le peux, je me dirai, ok, c'est maintenant. Et si c'est jamais, c'est jamais. Je veux absolument pas faire un enfant pour faire un enfant. J'ai fait des études de psycho et j'ai très bien compris qu'un enfant, c'était une éponge et qu'on transmet nos failles, nos problèmes psy, nos angoisses, etc. directement à nos enfants pour créer des êtres encore plus cassés que nous. J'ai l'impression que la majorité des gens font des enfants sans se demander pourquoi est-ce que je fais un enfant. En mode, je sais pas, c'est la logique, c'est la vie et tout, c'est normal. Alors qu'aujourd'hui, non, encore une fois, on est trop d'humains sur notre terre, on n'a pas de sens à notre existence. Si on fait pas d'enfants, c'est pas grave. En fait, je veux pouvoir donner 100% de moi-même à mon enfant, genre dans son éducation, etc. Et si j'en suis pas capable, je ne préfère ne jamais en avoir. Et puis en plus, je veux que, évidemment, mon partenaire puisse assumer son rôle à 100%, c'est-à-dire que si je devais partir un mois, ce qui n'arrivera pas, je puisse s'en occuper à 100%. Dans ma vision à moi de la maternité, je préfère qu'on soit quatre à s'occuper d'un seul enfant pour bien partager les tâches, pour ne pas se tuer mentalement, de rester en bonne santé, pouvoir donner le meilleur soi-même à son enfant, parce que quand t'es épuisé, tu peux pas donner le meilleur toi-même. T'es à bout de souffle, t'as envie de le... Et du coup, tu le maltraites sans le vouloir inconsciemment, bref... Voilà. Je n'aurai jamais les épaules pour assumer un enfant seul. Et un grand respect à toutes ces femmes seules ou non qui élèvent leur enfant. Je dis femmes seules ou non parce qu'il y a des femmes qui sont avec un mec, mais elles s'en occupent toutes seules. Enfin, la plupart du temps, c'est la femme qui s'en occupe plus que l'homme. Du coup, mais respect de ouf. Moi, je ne peux pas. Du coup, je préfère ne pas en avoir. Mais respect de ouf. Et oui, du coup, vous l'avez bien compris, pour l'éducation des enfants, c'est-à-dire pour mettre un humain en vie, là, pour ça, c'est la seule chose pour laquelle je me mets une pression incroyable. On dit tout le temps, oui, pour faire un enfant, il faut être stable, avoir une maison et de l'argent. Mais on oublie de dire que pour faire un enfant, il faut être bien dans sa tête, alors que la plupart des gens ne sont pas bien dans leur tête. Et un enfant, c'est pas pour combler un vide, pour combler des failles, pour combler un manque tout seul, non. Oui, la pression est là. Mais je ne suis pas fermée et on verra. Oui, mec, ton gros cul, t'es sur mes affaires, là. Est-ce qu'il y a certaines injonctions sociales dont tu as du mal à te défaire? Quand je suis dans une situation sociale, j'arrive à me plier, à prendre sur moi, et c'est le sujet de la prochaine vidéo. C'est des règles du jeu, donc je les applique tout bêtement en mode « Ah là là, il faut paraître socialement, nanana. » Je les applique très bien, je les connais très bien, je joue... comme tout le monde, cette pièce de théâtre qui est la vie sociale. Parce que même si je suis pas ok avec plein de choses, c'est compliqué et j'ai pas envie d'être isolée socialement, au contraire. Du coup, j'ai pas du mal à me défaire des injonctions sociales. Au contraire, j'arrive à me les approprier et à en tirer un avantage. Et surtout, les adapter avec les personnes avec qui je suis. Et ça demande quand même de l'énergie, je trouve. Genre l'école, la famille, le travail, etc. etc. Tu sais, tu dois t'adapter de ouf. Mais en vrai, de temps en temps, j'aime bien parce que je trouve que c'est cool de me confronter à d'autres personnes et je pense que chaque personne, même si elles sont différentes de moi, peuvent m'apporter des visions ou des trucs chouette. Après, évidemment, mon entourage proche, c'est des gens avec qui je suis très naturelle et avec qui j'ai pas besoin de faire semblant d'être parce que sinon c'est très épuisant. Mais il y a des fois où t'as pas le choix. En fait, le truc c'est que je m'en tape réellement de ce que pensent les gens. Et du coup, moi, question, mais pourquoi vous passez du temps à essayer de plaire à des personnes que vous n'aimez pas? L'amour pour toi à 28 ans dure plus de 3 ans. Pourquoi ta vision a changé? Alors, vous m'avez connu en couple, dans des histoires d'amour, etc. Ensuite, j'ai eu un blocage affectif qui a duré 3 ans avec d'énormes crises d'angoisse, de l'anxiété de ouf et encore plus gênée du contact physique, du contact humain. Parce que, comme vous le savez ou non, j'ai vécu une relation violente physiquement et psychologiquement. Ça a fait tout exploser en moi. Mais genre,
tout. J'avais fait une vidéo sur mon éducation à l'amour et j'en ai refait une dernière là récemment. Mais cette relation là, ça a été pour moi la goutte d'eau. Que dis-je ? Le tsunami de ma vie. Le concept social de l'amour, puisque c'est un concept social, c'est quelque chose qui est construit socialement. Je sais pas si ça dure plus de 3 ans. Je m'en fous, parce que moi ça me va pas. En fait je crois de ouf en l'amour, mais à ma conception, à moi de l'amour, pas celui qu'on nous vend, dans tout ce qu'on consomme là. Je me retrouve jamais dedans et je me sentais jamais vraiment à ma place, je me trouvais chelou. Et puis un jour, j'ai re-rencontré mon copain, puisqu'on se connaît depuis très longtemps, et je me suis tellement questionnée sur lui, surtout qu'on a mis environ un peu plus d'un an avant de s'officialiser en couple alors qu'il vivait déjà quasi chez moi. Et bien qu'on dise, oui, faut être seul pour se construire, eh bien je ne suis pas non plus d'accord avec ça, parce que réellement je me suis construite avec mon copain. On s'est construit vraiment tous les deux ensemble. On a grandi ensemble, on a évolué, on a tellement changé tous les deux dans la relation. Par exemple, il y a des choses que moi, on fait en couple et que je comprends pas, clairement. Genre, je comprends pas déjà pourquoi on doit dormir dans le même lit. Alors, sachant que la plupart des couples s'embrouillent à cause de ce putain de lit. Qui a décrété qu'on devait dormir ensemble, en fait? Ça n'a pas de sens. Quand tu dors à deux, tu dors mal, on dort mieux tout seul. Du coup, si tu dors mal, t'es en colère le matin, t'es en colère contre ton partenaire. Du coup, vous disputez plus souvent. Tu veux juste dormir la nuit, tu vois. Évidemment, dans le schéma classique, la place de la femme, elle est merdique. Moi, je suis désolée, je veux pas cette place là. Je me vois pas du tout inférieure. Moi, t'es ouf, je me vois égale à mon partenaire. Je sais faire mon ménage, ma cuisine, je gagne mon argent toute seule, j'ai mon chez moi toute seule, j'ai mon chat, on occupe très bien. Donc je me disais, mais t'es capable de faire tout ça, pourquoi tu prends un boulet dans ta vie, genre? Qui a décidé qu'il fallait que t'as un boulet, que tu devais t'occuper en plus de ça, qui te faisait perdre du temps, de la vie, etc. Et qui en plus de ça t'impose des règles en mode ça, il faut faire ça en couple. Moi je suis jaloux, je veux pas que tu vois ici, je veux pas que tu vois ça. Ça me semblait inconcevable dans ma tête de personne indépendante de me dire tu vas avoir quelqu'un qui va te mettre une pression et des règles. Ça va pas. Et en fait, au fur et à mesure, bah moi j'ai discuté avec mon copain, j'en ai parlé, je lui ai dit moi, il y a ça, il y a ci. Mais il y a des choses avec lesquelles bah je suis pas ok. Il y a des choses au début avec lesquelles il était en mode mais non, mais n'importe quoi. Et moi j'étais en mode oui, bah ok. Alors je veux bien accepter ça, mais en l'occurrence, bah faut pas que tu te plaignes si je suis énervée. Ou faut pas que tu te plaignes si ça. C'est normal. Parce que moi j'accepte des choses, j'intériorise des choses qui ne sont pas normales pour moi et qui n'ont pas de sens. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, il a compris et puis on a fait des compromis, tous les deux. Et on a composé une relation qui nous convient à nous deux. On s'en fout de ce que les autres font en fait. Mon copain avant tout c'est mon meilleur pote. C'est la personne qui me fait le plus rire sur cette terre. C'est la personne avec qui je suis le plus moi-même. Ah, c'est pas une fusion de nous deux, c'est deux personnes ensemble qui se tirent vers le haut. C'est une extension de moi-même. Ça se passe super bien, je me sens à l'aise de ouf et réciproquement. Mais je peux pas dire ok, on a une relation conventionnelle. Notre entourage doit se dire des trucs chelous des fois. Encore une fois, dans un couple, il n'y a pas de règles. Le principal, c'est juste d'être bien avec l'autre ou avec les autres. Vous faites ce que vous voulez. Je dis plus des choses du style je t'aime pour toute la vie, t'es l'homme de ma vie, blablabla. Parce que je sais pas en fait. Si un jour ça va pas, ben, je partirai. C'est normal, je vais pas rester avec quelqu'un, genre même si. Je me forcerai jamais à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et je ne crois pas en l'amour pour toujours. Néanmoins, si je ferme les yeux très fort et que je me vois dans 30 ans, s'il y a toujours mon copain à mes côtés, je suis trop contente. Avec la relation qu'on a aujourd'hui, si c'est toujours la même dans 30 ans, j'ai pas de raison de partir. Pour terminer, je souhaite répondre à 3 questions plus rapidement, étant le master, le podcast et le sport. Tu pratiques du sport chez toi ou en salle? Il faut savoir que d'ici la fin de l'année, il va y avoir une vidéo sur l'alimentation intuitive. L'évolution après l'anorexie mentale et les TCA, du coup. Et j'ai tellement de choses trop cool à vous dire sur le sujet. Pour le sport, ça va faire un an que je fais du sport. 3 fois par semaine sans jamais avoir lâché une seule fois. Clairement, faire du sport pour soi, pour son cerveau, pour son bien-être et non pour maigrir, ça fonctionne super bien parce que c'est la première fois en 28 ans de vie que j'arrive à tenir le sport sur un an. Je suis très fière de moi. Donc, je vais à la salle 2 à 3 fois par semaine et globalement, je fais aussi 2 cours de yoga. Mais je varie en fonction de ce que j'ai envie, etc. Je me force pas non plus, hein. Je le fais vraiment avec le cœur et de façon intuitive. Globalement, j'essaye de faire fesses et bras à la salle et soit je fais du cardio en salle, soit je fais une séance de HIIT et entrecoupé, je fais du yoga pour m'étirer, pour mon dos parce que je suis un bâton de berger. Mais dans l'idéal, j'aimerais beaucoup pouvoir faire du sport en extérieur ou faire de l'escalade et tout ça parce que la salle de sport, c'est un peu trop redondant. Mais comme elle est à 10 minutes de chez moi à pied, c'est cool et c'est pratique. Mais je suis contente parce que ça fait un an que j'ai commencé la rando et là, j'ai fait un trek de 32 km. J'ai pleuré. Mais c'était trop bien avec mon copain. On est parti bivouaquer et tout. Ça s'est trop bien passé. On aimerait bien essayer de partir une fois par mois faire ça. Vas-tu faire des podcasts sur Spotify? Donc quand je vous ai dit en début, oui. Donc je vous l'annonce officiellement. Donc actuellement il y en a un seul podcast qui est en ligne, c'est la bande d'annonce. Mais vous pouvez quand même aller la voir pour comprendre le titre. Je suis très stressée, je vous avoue, parce que j'ai zéro confiance en moi là-dessus. Voilà, j'ai confiance en moi, mais pas sur ça, parce que c'est nouveau. Voilà, je sais que je peux m'améliorer, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que, en gros, je vais traiter les sujets que je traite ici, mais plus en profondeur. Donc le premier podcast, ça sera sur l'orgasme, et le deuxième, ça sera sur la méritocratie. Et il y en aura 2 par mois. C'est beaucoup, hein. Au passage, je vais vous mettre le planning du mois de trucs pour tout ce qui va apparaître ce mois-ci, si tout va bien, parce que j'ai quand même des cours à côté. Donc évidemment, je privilégie ma santé mentale si je ne peux pas le faire. Mais vous êtes une communauté tellement bienveillante que vous me mettez jamais la pression. Pour terminer, émotions et master et comment j'ai pu gérer mes émotions, etc. Pour ça, je vais pas y revenir dessus parce que j'ai fait une grosse vidéo qui s'appelle Étudiant sans master où je vous ai expliqué comment
comment j'ai fait pour accepter de ne pas avoir été prise en master, la résilience et le fait d'avoir toujours... Mais regardez comme il est trop mignon ce truc. Mais j'avais pas trop le choix, j'ai pas eu de master. Donc soit je pleurais tous les jours et j'étais déprimée, soit bah, je regardais ailleurs un autre chemin et je me disais ouais c'est trop cool, avec ça je pourrais toujours faire ce que j'aime. Puis il y a pas de meilleur chemin que les autres. En vrai on s'en fout hein, mais je suis en L3 de sociologie. J'ai été prise directement à L3, je suis super contente. Donc je vais pouvoir valider une double licence psychosociaux à distance toujours. Je vais retenter l'expérience des masters à la fin de l'année. Je pense pas retenter le master psycho parce que psychologue c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. J'adore la socio, je pense que vous l'avez tous compris ici. J'ai trouvé ma voie un petit peu grâce à vous et j'aime déjà tout ce que je fais au quotidien et je suis trop contente. Je vous jure, je suis si joie. Comme quoi, dans la vie, j'avais fait ma vidéo sur 5 Dijon, j'aurais jamais imaginé tout ça. Et pourtant, je suis si contente de partir en socio. Alors que moi, j'étais en mode, ouais, les gens, ils vont en socio, mais il n'y a pas de travail. Alors qu'il y a au taquet de trucs à faire aussi en socio. Tout ça. Mais j'ai un compte Insta où je parle que de thunes. Ça s'appelle le Sully Chou. J'espère que tout va bien et je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes toujours ou pas. Et puis si jamais mes vidéos vous plaisent, ça vous revient. Si vous avez envie de partager mes vidéos, c'est toujours avec grand plaisir. Et moi sur ce, je vous dis